Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Marie-Jeanne. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors ce matin, je vous présente une chanson qui est une composition, donc je vous en fais un cadeau, un partage. Composition qui est inspirée de mon été passé au Nouveau-Brunswick il y a quelques années et où j'avais pu voir la mer tout l'été et ça m'avait beaucoup, beaucoup touchée. Et dans cette quête de Dieu, de grandeur, d'aller au large de la vie. Donc voilà, remplir de lumière. Aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime.
et que se met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. La caravane de la victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame du Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charron sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chanson, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je vous rappelle que à tous les mois, pour ceux qui donnent un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau du mois. C'est une façon pour nous de vous dire merci. C'est symbolique, bien entendu. Et ce mois-ci, avec un don de 25 $, vous recevrez ce magnifique pendentif. C'est le pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté et il est orné d'un petit zircon et déjà béni. Il est fabriqué au Québec par des artisans. Vous le trouverez jamais en magasin. C'est vraiment une exclusivité de la Victoire de l'Amour. Je vous donne l'adresse en vous disant que vous en recevrez un avec un don de 25 $ et deux parce que ça se donne bien cadeau avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que le cadeau du mois pour le mois d'août, c'est le pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté et il est orné d'un petit zircon. Et le pendentif, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre prière soutenue, mais merci de tout cœur de votre soutien financier. Vous savez que cette émission existe maintenant depuis plus de 24 ans. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par le curé de la rue, comme on l'appelle tendrement, l'abbé Claude Paradis. Bonjour, bienvenue à cette émission. Ce matin, c'est un petit peu spécial. C'est mon anniversaire de naissance. Je suis chez moi en Gaspésie, à Saint-Onde-des-Monts, et je marche près de la mer. Quel contraste avec les ruelles de la rue Saint-Laurent. Alors, on va tout de suite dans cet évangile de Matthieu 15, 21-28. Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie.
quelle grande foi de cette femme. C'est une femme qui était considérée impure, quelqu'un qui était exclu, quelqu'un qu'on avait mis de côté. Et là, c'est surprenant, hein? Jésus, au début, ne peut pas rien faire ou ne veut pas rien faire. Et c'est une des seules pages d'Évangile où Jésus change d'idée et qui soigne cette jeune fille. Au pénitencier, il y a plusieurs filles qui me disent « J'ai retrouvé la liberté en prison. » Un peu comme la femme de ce matin qui était à l'écart, qui est rejetée, qu'on met de côté. Alors, il y a des filles qui me disent « J'ai retrouvé la liberté en prison. » Et beaucoup, beaucoup d'entre elles découvrent Dieu dans nos rencontres, dans nos partages, dans les messes à l'Eucharistie. Et même à Noël, on a baptisé une fille et dernièrement, on a confirmé aussi une fille. Alors, j'ai fait le suivi avec elle. C'est elle qui a demandé d'être baptisée et d'être confirmée parce qu'ils ont rencontré le Seigneur. Et là, le Seigneur, un peu comme dans cette homélie, va les donner sa grâce. Il va les guérir, un peu comme il a guéri la fille de cette dame. Alors, le Seigneur est toujours présent, il est toujours là. Et je trouve ça toujours beau au pénitencier. Écoutez, j'ai des célébrations de messe. Il y a des fois, on a 60 filles qui viennent aux messes. Et c'est toutes des gens qu'on parle d'exclus, d'exclusion. Mais ils viennent tout heureuses de rencontrer le Seigneur. Ils l'ont rencontré en prison. C'est ça, le Seigneur. Hein? Il se fait découvrir où on pense qu'on ne pourra pas le voir, les miettes qui tombent sous la table. Alors, Jésus se donne miette par miette à ces gens-là, à ces filles-là, qui, elles, sont prises. Écoutez, il y en a qui ont 25 ans de prison à faire. Alors, imaginez-vous, hein, le contexte. Alors, je vais toujours rencontrer ces dames. Et souvent, je me dis, je n'ai pas à juger. Je ne sais pas ce qu'elles ont fait. D'ailleurs, qui suis-je pour juger? On laisse Jésus s'arranger avec ça et les guérir comme la jeune fille de cet moment. Vous savez, au pénitencier, il y a des moments, il y a des grands moments qui ont des enfants, des petits-enfants. Alors, ils me demandent beaucoup, on prie pour eux, on prie pour elles. Elles ont besoin de se dire, elles ont besoin de se confier. Ils ont besoin d'être tout près de Dieu. Tout près de Dieu. Alors, je termine ce matin en vous disant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. À nous aussi de les ramasser aujourd'hui. C'est des grâces que Dieu nous donne. Et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il ne me reste que le temps de vous souhaiter une magnifique journée aujourd'hui. Prenons le temps, comme toujours, d'être dans la gratitude et vous verrez comment la vie, elle sera plus belle. À demain. Et cette rencontre avec lui s'est terminée, comme toutes les rencontres que j'ai eues après, par un « Je vous salue Marie » où il prenait mon visage entre ses mains. Ah oui. Et une bénédiction. Et il m'a dit « Reste près de Marie, elle vit en toi ».